En octobre 1993, le général Roméo Dallaire arrivait au Rwanda afin d'accomplir une mission de paix qui allait changer sa vie. 10 ans plus tard, cet homme de cœur s'engageait activement dans la lutte contre l'utilisation d'enfants soldats. Depuis 2004, je travaille avec une équipe qui a commencé à Harvard, maintenant à l'Université Dalhousie, où on trouve des méthodes pour neutraliser l'utilisation des enfants pour des fins de guerre.
J'ai fini d'écrire le livre sur le Rwanda, sur le génocide comme tel, et je voulais étudier les nouvelles formes de guerre civile. Et j'ai orienté mon travail sur les enfants soldats parce qu'ils ont été l'arme nouvelle de cette ère. Donc, moi, je trouvais qu'il fallait aller au cœur de ce problème-là et de l'éliminer. Mesdames et messieurs, accueillons le lieutenant-général Roméo Dallaire. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so bright in the sky. All surrounded faces of people going by. I see friends shaking hands, saying out to you too. Thank you.
Avec votre projet? Si on veut que nos soldats en Afghanistan puissent le recevoir pour les fêtes, on doit le terminer très bientôt. En plus, votre bannière va être exposée dans un grand magasin pour que le public puisse ajouter ses encouragements aux vôtres. Oh, vous voulez que je vous dise? C'est magnifique!